Satoshi Core, Pi Network. Ces deux projets qui se ressemblent beaucoup parce que globalement on parle de minage sur téléphone sont listés sur plusieurs exchanges aujourd'hui. Et suite à ce listing, est-ce qu'il était important pour moi de faire un point énorme sur ces deux projets-là? Je vais aborder quelques points qui sont, je crois, très importants parce qu'on a fait une analyse sur Satoshi Core et nous sommes encore en train de faire une analyse sur Satoshi Core. Je vous annonce d'ailleurs qu'il y aura des vidéos qui vont sortir dans les jours qui viennent sur les parties qui suivent sur Satoshi Core. Et cette partie-là, ces analyses-là sont vraiment objectives. On présente des faits, on présente ce qu'on trouve, ok? Quand par exemple on analyse l'application mobile et qu'on trouve que l'application ne fait pas ce qu'elle dit faire, on le présente, ce n'est pas nous qui inventons. Si l'application disait faire ce qu'elle fait, on devait également le présenter. Mais beaucoup de personnes prennent ça mal. Et c'est le premier point que je vais aborder. Le premier point, pourquoi est-ce que les gens prennent mal? Alors, j'ai essayé de réfléchir par rapport à ça. J'en ai discuté avec beaucoup de personnes. Et la conclusion, c'est tout simplement que beaucoup de personnes, eux, au fond, ne croient eux-mêmes pas à leur projet. Parce que c'est comme si je construis ma maison. Je sais que j'ai mis pour les fondations des parpaings de vin solides. J'ai mis du béton armé. J'ai mis des fers lourds. Je le sais, ok? Je sais que c'est ma fondation. C'est la fondation de ma maison. Quand je sais ça, si toi, demain, tu viens me dire que le mur que tu mets là va tomber parce que les fondations ne sont pas solides, mais moi, je ne vais pas te gérer. Parce que je sais qu'au projet, mon projet est sûr. Ok? Au fond, mon projet est sûr. Mais beaucoup de personnes, dès que tu dis un truc, dès que tu remarques une incohérence, tu le dis, on va te tuer, on veut te diaboliser. Moi, je pense qu'ils font juste le reflet de leur incertitude. S'ils étaient sûrs, s'ils avaient confiance au projet Core ou Pi, lorsque tu dis quelque chose qui ne coïncide pas avec ce qu'ils pensent, on devait juste te dire, ah ben frère, laisse ça tomber, nous on sait que c'est intéressant, on ne te suit même pas, ok? Donc moi je pense que les gens suivent au fond parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu cliques sur un bouton pendant des années et tu penses que tu vas devenir riche du jour au lendemain. Quand je dis ça, on dit que je me moque. Je ne me moque pas, mais c'est une réalité. L'argent gratuit, facile comme ça, n'existe pas, surtout pour un grand nombre de personnes. Un grand nombre de personnes qui a miné pendant des années, vous pensez que ça va venir et vous aurez la possibilité de retirer, échanger, avoir des millions. Ce sont des histoires. Il faut qu'on soit clair sur ce point. Et j'arrive directement au niveau du deuxième point. Les cryptos sont listés. Pi, Satoshi. Où sont les millionnaires de Pi? Où sont les millionnaires de Satoshi? Je les attends en commentaire. Laissez un commentaire si vous avez pu convertir vos Pi dans votre wallet ou alors convertir vos Satoshi dans votre wallet pour avoir du cash, pour avoir de l'argent réel. Sur 100%, je sais que 99 m'ont me dit qu'ils n'ont pas encore fait. Certains vont me sortir des raisons. Il faut d'abord stacker, il faut. Il y a toujours des raisons, mais concrètement, sur 100% des personnes, 99 vont te dire qu'ils n'ont pas pu faire cette opération-là. Parce qu'en général, ces projets vont toujours vous dire qu'il faut d'abord stacker, il faut d'abord un temps, il faut d'abord prévoir. C'est toujours comme ça. Et à contrario, les projets vont vous encourager à aller acheter massivement la crypto sur les exchanges où c'est listé. Et ce qui va se passer, c'est simple. Vous allez dépenser, vous allez acheter de la crypto et vous allez commencer donc à investir dans le projet. Ça m'embraye directement le troisième point. Mais avant d'arriver sur le troisième point, pour ce deuxième point-là, vraiment, prenez la peine. Il ne faudrait pas que je l'annonce comme ça. Laissez en commentaire si vous avez déjà pu générer, gagner de l'argent réel avec ces projets-là depuis que vous travaillez. Dites-le très sincèrement en commentaire. Si vous mentez, ce n'est pas moi que vous mentez, c'est à vous-même que vous mentez parce que moi, je ne suis pas dans ces projets-là. En fait, je sais qu'au final, ça ne va pas avoir un impact concret, j'en suis sûr. Vous allez me dire que je me trompe, mais nous sommes toujours là et on le voit toujours. Nous, avec les stratégies concrètes et les stratégies qui marchent, le portefeuille évolue. Ceux qui attendent les projets miraculeux pour faire des milliards, ils vont toujours attendre pendant longtemps. Ce n'est pas de la prétention, c'est tout simplement une vérité. Maintenant, le troisième point, c'est tout simplement ce fait-là. Beaucoup de personnes avaient dit, ce n'est pas un scam, c'est quelque chose de sérieux parce qu'on n'a rien investi. Tu n'investis rien, mais tu veux gagner beaucoup. Alors, sur ce point, tu n'investis rien là. Moi, je l'avais dit, vous pouvez regarder les vidéos précédentes. Tu n'as pas encore investi. Je ne dis pas que tu n'as pas investi, tu n'as pas encore investi. Parce qu'il va arriver un moment où il va falloir investir. Sois-en sûr, l'argent des crypto-monnaies sont circulaires. L'argent doit toujours provenir de quelque part. Ça ne vient pas ex nihilo. Si tu gagnes l'argent des crypto-monnaies, avec dit qu'à un autre moment, surtout avec ces crypto-monnaies comme Pi Core, que je considère comme des shitcoins, il faut savoir qu'à un moment, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont acheté. Ok, ça c'est clair.
Parce qu'ils ne vont pas venir créer, ça va avoir une valeur naturelle, non. Il y a des gens qui vont acheter pour que toi tu puisses revendre derrière et avoir ton argent. Et je vous l'avais dit, à un moment vous devez dépenser. Si ce n'était pas au début, ça va venir à un moment. Et le moment est venu. Maintenant, c'est sur les exchanges. Les équipes vous encouragent d'aller acheter le maximum de corps avant que ça ne pump. Ok? Et quand les gens vont acheter, logiquement, ça va augmenter. Les gens vont encore dire que oh, le projet de l'année, le projet, on va toujours acheter plus, acheter plus, acheter plus. Et à un moment, comme vous le savez, ce qui doit se passer se passera. Alors, je ne souhaite rien de mauvais à ces projets-là. Nous, on fait des analyses objectives. Et cette vidéo, si c'était vraiment un point sur ces trois points-là que j'ai trouvé importants, il faut enlever le cœur de l'investissement. Je le dis toujours et je le comprends. Quand quelqu'un a déjà arrêté son os, il a arrêté son os. Il a arrêté ce sur quoi il compte devenir multimillionnaire. Tu viens lui dire que c'est un scam, c'est un shitcoin. Il peut devenir fou, mais ne fais pas de ça un problème avec moi. Moi, je ne fais que dire, n'est-ce pas, ce que je pense. Mais maintenant, c'est à toi de voir ce que tu penses. Et comme je le dis, nous, on fait des recherches, on les présente à vous. C'est à vous de faire vos propres recherches et développer votre pensée dessus. Je sais qu'on m'insultera en commentaire, mais moi, je vous souhaite d'aller bien. Je vous souhaite, comme d'habitude, d'avoir le maximum d'argent. Si ces projets peuvent rendre tout le monde millionnaire, envoyez-moi quelques USDT, ça me fera du bien. Sur ce, passez une bonne soirée et on se dit à la prochaine.